Bonjour monsieur, c'est bien la boulangerie? Oui. C'est monsieur Martin à l'appareil. Bonne journée, au revoir. Bon, comment ça, au revoir? Moi, je parle à ma cliente, monsieur. Oh bah tiens, il me dit au revoir. Je vous ai pas dit au revoir, j'ai dit au revoir à ma cliente. Tu vas voir qui m'a même raccroché, si ça se trouve. Mais je vous ai pas raccroché, je suis pas un mec et je vous ai pas dit au revoir. Ah, allô? Oui, allô? Oui, bon voilà. Je ne vous ai pas dit au revoir, j'ai dit au revoir à ma cliente. Oh là, non, je suis pas votre cliente. Allô? Ah, bonjour monsieur, pardon. C'est bon monsieur, vous avez d'abord eu ma collègue vous a passé le téléphone à moi. D'accord, et c'est là qu'elle m'a raccroché au nez, ok. Non, elle vous a pas dit à raccrocher au nez, j'étais juste à côté d'elle. Non, c'est bon, j'ai compris. Donc, je vous ai inscrit à mon opération. C'est quoi cette opération-là? Une viennoiserie pour une voterie. Vous offrez une viennoiserie à chaque électeur qui a voté. Mais ça, c'est vu avec les patrons, ça? Ah non, pas du tout. Non, ils sont même pas au courant, ils sont même pas prévenus, et non. Ah bah prévenez-les. Mais monsieur. Hop, emballez, c'est pesé. Bah attendez, monsieur, vous pouvez me séparer 2 minutes, s'il vous plaît? Ouais, non, mais l'essentiel, c'est que vous me dites qu'ils sont prévenus, c'est bon. Mais non, mais monsieur, ils sont pas d'accord. Comment ça, ils sont pas d'accord? Bah je vais voir ça avec eux, oui. Ouais. Ah bah oui. Donc voilà. Voilà. Donc j'attends. Mais vous attendez quoi, monsieur? Bah les patrons. Mais monsieur, je pense pas que vous êtes dans votre état normal, en fait. C'est vous qui m'avez dit qu'ils étaient prévenus. Mais monsieur, ils sont pas d'accord. Même s'ils sont prévenus, ils sont pas d'accord. Alors, il y a 10 secondes, ils étaient d'accord, et hop, ils sont plus d'accord. Mais monsieur, vous avez parlé les patrons, c'est tout le monde au téléphone. Prévenir, ça veut pas dire ok, monsieur. Ah bah si vous me dites ok, c'est qu'ils sont d'accord. Non, on veut pas, ça nous intéresse pas. Oh là là, faudrait savoir, hein, parce que... Mais attendez. Ah, bonjour monsieur. Donc, alors attendez, si je comprends bien, si moi j'ai 50 personnes qui viennent avec leur carte d'électeur, faut que je donne 50 viennoiseries, c'est ça? Alors attendez, je vais prendre une calculette parce que moi les maths. Mais attendez, non, mais monsieur, vous comprenez. Alors, je multiplie 50 par 50. Pourquoi 50 par 50? Si j'ai 50 personnes qui viennent pour avoir voté. Voilà, et que vous donnez à chacune 50 viennoiseries. J'en donne une, mais ça me fait 50 personnes. Ça fait 50 viennoiseries. Sinon, j'en donne une par personne. 50 personnes, ça fait 50 viennoiseries. On n'est pas d'accord? On est d'accord. 50 par personne, ça fait donc 2500. Non, pas par personne. Si j'ai 50 personnes qui viennent à la boulangerie, ça veut dire que j'en ai 50 qui vont sortir. Et comme chaque personne sort avec 50 viennoiseries, donc c'est bien ce que je disais, ça fait 2500. Bon, monsieur, je crois que vous n'avez pas compris. Ah si, c'est très clair, et je vous remercie beaucoup. Non, monsieur, écoutez ce que je vous dis. Un autre monsieur, donc c'est bon, j'ai vu avec votre collègue. Non, mais pas du tout, monsieur, de quoi vous... Mais enfin, vous oubliez le numéro de téléphone, elle n'offrira pas de croissant, d'accord? Bon, je mets 2500 viennoiseries, vous mettrez ce qui vous arrange. Non, c'est hors de question, monsieur. Mais c'est vous qui décidez pour moi, c'est ça, la citoyenneté et la République? Mais vous êtes qui, vous? Monsieur Martin, bonjour madame, donc je vous explique. Il n'y a pas à m'expliquer, vous n'avez pas le droit d'utiliser mon nom sans autorisation, d'accord? C'est tout. D'accord, donc il faudrait donner vos trucs de manière anonyme, en fait. Mais vous n'avez pas compris ce que je vous dis? Bah si, il suffit de vous déguiser, comme ça on saura pas que c'est vous. Bon, mais c'est grotesque, quoi. Donnez-moi votre numéro de téléphone que je vous rappelle. Ah bah donnez-moi vous votre numéro de téléphone que je vous rappelle, et puis ça. Mais vous rigolez, vous m'appelez, vous l'avez mon numéro de téléphone? Ah non. Alors comment vous m'appelez? Avec un portable. Et alors vous avez mon numéro de téléphone pour m'appeler? Ah non. Mais c'est pas possible, vous êtes con ou quoi, vous? Ah oui. Vous m'appelez bien à mon numéro de téléphone, là. Ah non, je vous appelle à la boulangerie, là. Et vous êtes vraiment très con, monsieur. Ah, j'irais même jusqu'à trop con, allons-y. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît, tout de suite. Monsieur Martin. Je porte plainte contre vous. Donnez-moi votre nom. Monsieur Martin, c'est ce que je vous dis. Martin, monsieur Martin, comment? Votre prénom? Martin. Non, monsieur Martin, comment? Martin. Monsieur Martin, votre prénom, s'il vous plaît? Martin. Et votre nom? Bah, Martin. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Alors, bah, c'est dingue, ça, je vous l'ai dit 3 fois. Et votre prénom? Bah, je vous l'ai dit aussi. C'est Martin Martin. Exactement. Vous faites ma gueule. Complètement. Je vous préviens, commencez pas. Ah, bah, ça tombe bien, j'ai terminé.